Goedenavond, dames en heren. Mesdames, messieurs, bonsoir. Welcome, book lovers. You are among friends. We are absolutely delighted to be able to welcome you here for the opening night of the Passaporta Festival 2015. With this festival, we are sharing with you top quality writing in numerous languages and a vast universe of ideas. This international festival of literature promises to offer an exceptional encounter with 100 writers present. Over the course of 3 evenings and a long and generous Sunday, you can see and hear how literature is relevant for our time and how current events find their way into writing. Le festival Passaporta est un moment particulier pour tous les amoureux du livre, de la littérature, des mots. Pendant 4 jours, le cœur de Bruxelles bat plus fort et s'offre le temps de la réflexion, du débat, du partage d'idées, de la rencontre. 100 auteurs ont, cette édition encore, répondu à l'invitation de Passaporta de venir à la rencontre de leurs lecteurs, de ceux pour qui chaque mot compte, de ceux qui cherchent à lire entre les lignes. 100 écrivains, dessinateurs, penseurs ont accepté de venir à votre rencontre. Het Passaporta Festival brengt uw boekenkast tot leven. De namen op boekenruggen worden mensen van vlees en bloed. Schrijvers die openstaan voor ontmoetingen. Het festival nodigt u uit om hierop in te gaan. Om uw geliefde schrijvers aan het woord te horen en nieuwe stemmen te ontdekken. Boeken hebben lezers nodig. Maar ook plaatsen waar lezers elkaar kunnen ontmoeten. Om ideeën af te toetsen, te herijken en uit te wisselen. En om de liefde voor de letteren te delen. Le festival Passaporta est un moment particulier aussi parce qu'il nous permet de partager notre passion, de vivre ensemble ces moments de rencontre, ces échanges d'idées essentielles, cette étonnante aventure qu'est le livre, cette incroyable aventure dans laquelle nous projette la littérature. Nous sommes ravis de nous retrouver ici tous ensemble ce soir pour ouvrir ce festival avec vous. Deze openingsavond is bijzonder. Omwille van de uitzonderlijke aanwezigheid van Nobelprijswinnaar Jean-Marie Gustave Le Clisiot. Hij deelt het podium met 2 Belgische schrijvers, David van Rijbroek en Jean-Luc Outers. Het is ook een avond helemaal op maat van Passaporta zelf, het internationale literatuurhuis in Brussel, waar we meertalige en uitdagende literatuur een plek geven. La soirée de ce soir, avec la présence exceptionnelle de Jean-Marie Gustave Le Clisiot, écrivain international et nomade s'il en est, prix Nobel de littérature, mais aussi celle de David van Rijbroek, auteur belge néerlandophone, et de Jean-Luc Outers, écrivain belge francophone, est à l'image de Passaporta, la maison internationale des littératures de Bruxelles. Internationale, plurilingue, exigeante. Demain soir, au Botanique, aura lieu une autre soirée inédite. Les univers de Nancy Houston et de Dany Laferrière se mélangeront à celui de Nicolas Michaud, l'ancien chanteur d'été 67, qui a composé des morceaux inspirés de l'univers des auteurs, spécialement pour l'occasion. Jérôme Collin, Monsieur Loyal inspiré, orchestrera cette soirée unique. Tomorrow night, the French-Canadian writer Nancy Houston and the Haitian-Canadian author Dany Laferrière will discuss the surprising possibilities offered up by literature and time at La Botanique. On Saturday night, masters of the short story from Belgium and abroad will share the spotlight at Flaget. The evening presents itself as a highlight, with 7 authors playing with the element of time. Annelies Verbeke wrote a new story for this occasion. That same Saturday evening, at Kids Theatre Bronx, the literary event Short Stories for a Long Night offers bedtime stories for young readers in Dutch, French, Arabic and Turkish. Samedi soir à Flaget, les maîtres belges et étrangers de la nouvelle, Christine Angot, Régis Geoffrey, A.L. Snyders, Ludmila Petrushevskaya, Kevin Berry, Michel Faber et Anne-Lise Verbeek liront un de leurs textes dans leur propre langue avec surtitrage. Anne Pirlet assurera au piano l'accompagnement de cette prestigieuse nuit de la nouvelle. Au même moment, les plus jeunes auront leur propre soirée littéraire. Pour la première fois, au Bronx et au Wolf, un véritable festival de littérature de jeunesse est organisé, avec des lectures et des rencontres, comme pour les grands. Le dimanche est le véritable point d'orgue du festival, avec des dizaines de rencontres dans une vingtaine de lieux du centre de Bruxelles,
Beaux-Arts, évidemment, mais aussi l'ancienne Belgique, la Bellone, le théâtre du Vaudeville et bien d'autres. Ian McEwan, Frédéric Becbédé, Éric Reinhardt, Pierre Assouline et bien d'autres seront présents pour des heures de rencontres, de partage d'idées. Toutes les informations pratiques sont disponibles dans le journal du festival, disponibles à la sortie de cette soirée, ainsi qu'au point info, également ouvert à l'issue de cette soirée. Autre information pratique importante, une séance de dédicace aura lieu après la rencontre de ce soir pour les trois auteurs présents sur scène. À cet endroit, vous pourrez également découvrir les présents de l'écriture, l'ouvrage unique qui rassemble les meilleures conférences et fragments d'entretien des 10 premières années d'existence de Passaporta, publié aux éditions Les Impressions Nouvelles. Het parcours op zondag is de generese hoogdag van het festival. De 80 gesprekken, debatten, ontmoetingen en speelse literaire knipogen worden à la carte opgediend op 20 plekken in het centrum van Brussel. Je wordt als lezer uitgenodigd om je eigen menu, je eigen parcours samen te stellen. En zondagavond zien we elkaar hier, in Bazaar, voor het slotevenement met Ian McEwan. Hij signeert aan de afloop, net zoals onze schrijvers dat vanavond zullen doen. Aan de boekenstand vindt u ook Het is altijd nu. Het unieke boek met de beste essays en gespreksfragmenten dat we met uitgeverij De Geus hebben gemaakt, naar aanleiding van 10 jaar Passaporta. Het woord is nu aan David van Rijbroek, schrijver van proza, essay, theater, poëzie, internationaal geroemd om zijn monumentale boek Congo. We vroegen hem het festivalthema tijd naar zijn hand te zetten, om zijn visie op literatuur en actualiteit met ons te delen. Hij beschrijft het kruispunt waarop beide samenkomen. Il est temps désormais de laisser la parole à David van Rijbroek. Dans son texte, écrit spécialement pour le festival, l'auteur de Congo raconte comment il s'est retrouvé, sans s'y prendre garde, au carrefour entre la littérature et l'actualité. Sous vos applaudissements. Goedenavond, bonsoir. Eigenlijk is het allemaal de schuld van Tsjechov. Vorige winter huurde ik 5 maanden lang een boerderijtje in de Westhoek, toen ik onderzoek deed naar de hoge zelfmoordcijfers bij jongeren in de regio. De boerderij was sober, om niet te zeggen Spartaans. Dagelijks droeg ik het hout voor de kachel naar binnen. 'S Nachts kropen de naaktslakken over de tegels, over de keukenvloer. 'S Ochtends vond ik een kronkelige, irrationele slijmsporen op de tegels. Eén keer plakte er één aan mijn voet toen ik in het donker naar het toilet ging. 'S Avonds las ik Tsjechov bij de kachel. Ik had zijn verzamelde verhalen, 7 bandjes bij Van Oorschot, meegenomen. En het was elke avond een kostelijke onderdompeling. De dacha's, de eindeloze zomers, het gezeur in de woonkamer, de stille, woekerende hunkering, het onvermogen. Tsjechov legde een heel tijdperk bloot. Hij fileerde de contradicties van 19e eeuws tsaristisch Rusland. Het is de taak van de kunstenaar om vragen te stellen, zei hij daarover, niet om ze te beantwoorden. En gelijk had hij. In stichtelijke verhalen ter ere van tsaar, staat en geloof had hij geen zin. Tonen. Haarfijn ontleden. Blootleggen. Met nauwelijks verholen diabolisch genoegen. Dat was genoeg. Sindsdien is die uitspraak echter een obsceen mantra geworden. Interviews met jonge theatermakers daags voor de première. Ik bied geen antwoorden, ik stel enkel vragen. Lezingen van warrige dichters. Ik bied geen antwoorden, ik stel enkel vragen. Nabeschouwingen met romanauteurs wier proza eindeloos kabbelt. Maar het is toch niet aan mij om antwoorden te geven. Als schrijver stel ik hooguit vragen, ziet u.
Ik vind dat er een moratorium op die zin moet komen. Ja, als oud-voorzitter van PIN Vlaanderen wil ik de vrije meningsuiting hier graag even aan banden leggen. Eén ieder die zich in het openbaar van die platitude durft te bedienen, mag 2 jaar lang niet meer publiceren op straffen van excommunicatie op het boekenbal. Wie doping gebruikt, mag ook 2 jaar niet koersen. Desgewenst, kan het spreekverbod ingekort worden door een lange voettocht en jute door de Gobi-woestijn. Nee, dat meen ik natuurlijk niet. Wat ik wel meen, is dat ik het werk van zo'n kunstenaar achterdochtiger ga bekijken. Waarom? Waarom mag hij of zij niet meer wat Tsjechov wel nog mocht? Wel, omdat het totaal vrijblijvend is geworden. Tsjechovs terughoudendheid was een ingrijpende daad, geen amorele spielerij. Door te zwijgen zei je meer. De moderne terughoudendheid is vaak laf, lui, laat postmodernisme. Door te zwijgen zeg ik neer op het vloerkleedje van mijn eigen besluiteloosheid. Wie ben ik om een mening te poneren? Je laat er wel een hectare bos voor vellen. Wie ben ik om met antwoorden op de proppen te komen? Waarom ben je dan zo lang mee bezig geweest? De auteur kan zich toch niet meer zo'n autoriteit aanmeten. Oké, dat laatste is waar. De tijden van conscience, Sir Walter Scott en Victor Hugo zijn voorbij. Hun bronzen waarheden moeten en kunnen we niet meer verkondigen. Maar het gaat niet over gezag. Het gaat over betekenis. Tussen het afkondigen van grote stellige waarheden en het koketteren met lauwe wijfelmoedigheid ligt toch nog steeds de ruimte van het schroomvolle, zinvolle spreken. De moedige, maar moeizame ruimte van het schoorvoetende proberen. Wil literatuur vandaag nog relevant zijn, dan kan ze maar beter wat meer doen dan doedelen met het uncertainty-beginsel. En de geschiedenis toont ons hoe dit kan. Tsjechovs dissecteerwerk was altijd meer dan alleen maar vermakelijk. De absurdist Daniel Garms toonde op geniale wijze hoe literaire vervreemding wellicht het beste antwoord was op politieke vervreemding. En in het werk van Albert Camus, mijn grote held, zien we hoe intense betrokkenheid bij het heden allerminst uit moet monden in pamphletaire propaganda. Als geen ander bewoog hij zich op het continuum tussen literatuur en actualiteit, tussen compassie en combat. Als geen ander was hij in dialoog met zijn tijd om te praten over menselijkheid als universele categorie. Vorige maand verscheen 30 dagen, de nieuwste roman van Annelies Verbeke. En ja, dat boek stelt veel vragen over migratie, racisme, interculturele liefde, suburbia, de inzet van koloniale troepen in de Eerste Wereldoorlog en de mentaliteitsgeschiedenis van post-agrarisch Vlaanderen. Maar dat is niet de reden waarom ik er bij hoge uitzondering een blur voor schreef, een promotekstje. Want wat het boek echt groots maakt, is niet die pleiade aan morele thema's uit de hedendaagse actualiteit van tegenwoordig, zoals dat heet, maar het subtiele, alomtegenwoordige pleidooi voor mededogen. Heel dit zoekende boek lees ik als een poging tot niet-cynische omgang met goedheid, medemenselijkheid, mildheid. Annelies Verbeke stelt zich niet tevreden met louter vragen. Zij tast ook antwoorden af. Ah, ik stel alleen maar vragen, ziet u. Alsof er niet genoeg vragen zijn
die om aandacht smeken. Alsof de grote uitdagingen van dit woelige heden, waanzin, wanhoop, woede, onmacht, geweld, schaarste, ongelijkheid en bovenal de vernietiging van de wereld zelf, alsof die grote uitdagingen enigszins gebaat zouden zijn met onze frivole stuurloosheid. Oh, ik stel alleen maar vragen. Alsof het boek niet al genoeg aan belang heeft ingeboet. De hoogste culturele drager is het al lang niet meer. De roman ontstond in de 18e eeuw, kende toen een succes in aristocratische kringen, vaak ter bekamping van de verveling. In de 19e eeuw ging de burgerij overslag. In de 20e eeuw werd het een massaproduct. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een buitengewoon belangrijk cultureel artefact in de debatten over de inrichting van de samenleving, van Dr. Zhivago tot Disgrace. Die evidente centrale rol is door de komst van nieuwe technologieën de afgelopen jaren sterk afgenomen. De symbolische waarde van het boek blijft onverminderd overeind. Maar als we niet opletten, volgt het boek in de 21e eeuw het voorbeeld van de opera, het ultieme kunstwerk, hooglijk gewaardeerd, zelden geconsumeerd. De beste manier om onze eigen irrelevantie te enceneren is achteroverleunen en nu en dan gemakzuchtig mompelen: "Oh, ik heb geen antwoorden, ik wil die ook niet hebben. Wie ben ik tenslotte? Ik stel hooguit wat vragen. Het is aan de lezer om van mijn brandhout maar een boom te maken." Ik sta op, gooi een paar blokken op het vuur. Het is koud geworden. Ik denk aan al die gesprekken die ik voerde met nabestaanden van zelfdoding. Ik denk aan al die afscheidsbrieven die ik aan het verzamelen ben, die ouders mij aanreiken, niet aarzelend of met tegenzin, maar met de vraag, soms zelfs de smeekbede, om er iets mee te doen. Ze liggen in een mapje, die afscheidsbrieven, een mapje op de keukentafel. 'S Avonds kan ik er niet naar kijken. Die ondraaglijke korte woorden, die gestolde wanhoop in jonge West-Vlaamse handschriften. Het is het uur waarop de naaktslakken buiten komen. Traag en behoedzaam kruipen ze over de keukenvloer. Een zeer, zeer langzame dans. Maar ze laten duidelijk zichtbaar een glinsterend slijmspoor achter. Zo wil ik schrijven. Dank u wel. Merci. Le procès verbal par Jean-Marie Gustave Le Clésio, c'est un premier roman, mais un premier roman qui a été accueilli par la critique avec enthousiasme, on peut dire cela, je crois, non ? Oui. Vous avez 23 ans ? Oui, j'ai 23 ans. Quel âge a votre personnage, en fait ? 29 ans. 29 ans ? Vous savez avec précision ? Oui, 29 ans avec précision. Il s'appelle Adam. On peut dire que c'est un héros étrange, mais c'est un héros de roman. Que sait-on de lui ? Et on sait qu'il est, enfin, que sait-on de lui précisément ? On sait qu'il est parti de chez lui, qu'il a quitté sa famille il n'y a pas très longtemps, pas très longtemps avant que le livre ne commence. Oui, il a fait, si l'on veut, une sorte de fugue. Il a quitté sa famille, plus précisément sa mère, puisqu'il n'a pas de véritable relation affective avec son père. Et il a laissé un bref notule pour dire qu'il s'en allait sans préciser à quel endroit. Et il s'est réfugié dans une maison abandonnée près de la mer, après avoir jeté sa moto dans la même mer. Et il reste là pendant presque toute la durée de l'été. Et c'est le récit
diverses sensations qu'il a, des diverses fantaisies auxquelles il succombe, que j'ai essayé de retracer. Oui, je voudrais que vous nous aidiez à imaginer ce personnage de Adam, qui s'appelle Adam, c'est son prénom simplement, en indiquant quelques-uns de ses comportements. D'abord, il éprouve beaucoup de peur. Oui, tout d'abord, sa première acceptation de la solitude est mêlée à la peur. Et c'est cette peur, il la ressent pour des animaux plus ou moins étranges, plus ou moins étrangers à l'espèce humaine. Des pieuvres qu'il confond avec le soleil, des insectes. Des papillons de nuit. Des papillons de nuit. Vous avez peur des papillons de nuit ? Oui, j'ai beaucoup peur des papillons de nuit. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, un papillon de nuit ? Papillon de nuit, c'est avant tout un insecte. Goedenavond, bonsoir à tous. Voilà, je vous propose d'accueillir Jean-Marie Luc Lézio 50 ans plus tard. Mais bonsoir Jean-Marie Luc Lézio, et merci vraiment d'être là parmi nous, parce que on sait que vous venez de loin. En fait, vous venez toujours de loin, j'ai l'impression. Chaque fois qu'on se téléphone ou qu'on communique par mail, vous êtes soit en Chine, soit en Colombie, soit à Albuquerque où vous habitez, et vous venez en fait maintenant d'Albuquerque. Vous-même, vous êtes en Inde aussi. Ça varie, oui. Mais donc, j'ai un peu l'impression que vous êtes un professionnel du décalage horaire. Vous l'êtes encore maintenant, je crois, un peu. Non, ce n'est pas le goût du décalage horaire, c'est que je n'ai pas trouvé d'endroit où m'arrêter, plutôt. Ce serait plutôt ça. Oui. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images ? Moi, ça m'a fort touché. En fait, sincèrement, vous n'avez pas changé. Et... un peu quand même. Sauf peut-être la voix, l'accent un peu. Mais ce qui me frappe, c'est que déjà, dans ce premier roman, il y a des thèmes qui vont ressurgir dans toute votre œuvre. Le thème de la jeunesse un peu en marge, le thème de la mer. Est-ce que vous avez le souvenir précis encore du moment où vous avez écrit ce roman, le moment où il est sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai l'impression de voir un étranger, d'avoir vu un étranger qui me ressemblait vaguement comme tel que j'ai pu l'être, mais je ne reconnais pratiquement rien. Je crois que j'ai changé complètement. Et c'est normal parce que 50 ans, c'est une longue durée. Et il me semble que je suis à présent moins intéressé par moi-même que je pouvais l'être à cette époque. C'est juste c'est un décalage, mais c'est un décalage psychologique. Et je ressens fortement ce décalage. Il y a des choses. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus le même écrivain ? Oui, puis le monde a changé aussi. Le monde était très différent à cette époque-là. C'était tout de même l'époque où régnait en presque en tyran les représentants de la nouvelle vague, les romanciers du nouveau roman. Il y avait beaucoup de nouveaux à l'époque. Alors, nouveau roman, nouvelle vague. D'ailleurs, des journalistes parlaient de nouvelles fables. Donc, il fallait que ce soit nouveau à tout prix. Et je crois que maintenant, on s'est éloigné de cette époque. Oui. On ne voit plus les choses de la même façon. Ce n'est pas qu'on était innocent à cette époque-là, mais ce qui s'est passé à travers le monde et ce qui nous a traversés tous, quels que soient nos âges, entre cette époque-là et maintenant,
ça laisse des séquelles, on ne peut pas être le même, c'est impossible. Mais dans la façon de... Moi, ce qui me frappe, parce que j'ai relu quelques-uns de vos livres, pas tous évidemment, pour préparer cet entretien, ce qui me frappe, c'est quand même que vous avez changé la manière. Vous ne racontez plus les histoires aujourd'hui de la même manière qu'auparavant. Il me semble qu'aujourd'hui, vous êtes plus tenté par la narration, il y a une fluidité, alors que là, dans Procès-Verbal et dans certains romans qui ont suivi, on a quelque chose de très noué, un peu de chaos, comme ça. Non, c'est cette question de quel est le sujet, est-ce que c'est soi-même ou est-ce que ce sont les autres. Et je crois que l'objectif, enfin le regard est passé de l'intériorité à l'extériorité, parce que quand on a 23 ans, on est le centre du monde, et quand on en a 73 ou 75, on n'est plus le centre du monde. On est devenu une petite partie de ce monde, on n'est plus au centre. Et c'est juste l'écart qu'il y a, peut-être entre la jeunesse et l'âge mûr, ou l'écart qu'il y a littérairement entre cette époque où il fallait claquer des portes, et claquer ces portes de la littérature qui était le tout prêt, le pas sur mesure, le tout prêt, tout était déjà préparé. Il fallait claquer quelques portes. Mais c'est la même chose pour le cinéma, la nouvelle vague. On est passé de cette époque où on devait claquer des portes pour dire qu'on n'avait plus besoin de faire du pas à pas, mais qu'on pouvait faire des ellipses au cinéma, montrer quelqu'un qui marche vers une porte et tout à coup il est au dernier étage de l'immeuble. Ça a l'air naturel maintenant, mais à l'époque on croyait qu'il fallait claquer ces portes. On a bien fait peut-être de les claquer, puisque maintenant on n'a plus à les claquer. Oui. On va lire quelques extraits pendant cette soirée de votre dernier livre qui s'appelle Tempête, qui sont deux novellas, donc deux grandes nouvelles. Qui ont en commun peut-être avec Procès-Verbal d'avoir, je dirais presque un personnage, enfin surtout la première nouvelle qui est la mère. En fait, vous êtes un familier de la mère. La mère est votre univers, je dirais, est un de vos univers. Et vous dites de la mère, c'est le seul lieu du monde où l'on puisse être loin, entouré de ses propres rêves, à la fois perdu et proche de soi-même. Alors plusieurs de vos livres commencent par l'évocation de la mer, notamment le chercheur d'or, du plus loin que je me souvienne, j'ai entendu la mer. Il y a aussi les îles, comme dans justement Tempête, dont on va entendre un extrait, qui est cette île d'Udo dans la mer du Japon, je crois. Oui, oui, oui. Oui, au sud, enfin c'est la mer de l'Est, pas la mer du Japon. Oui. La mer de l'Est, oui, mais donc c'est près de la Corée, si j'ai bien compris. Mais la mer, vous pouvez nous dire un mot de ce que ça a représenté pour vous. Donc vous êtes né à Nice, au bord de la mer, mais vous parlez en fait pas beaucoup de la Méditerranée, c'est plutôt les océans qui vous attirent, l'Atlantique, le Pacifique, et les îles au milieu de ces océans. Je suis né d'une famille de migrants, puisque ma famille était d'origine mauricienne, elle est d'origine mauricienne. Et ça veut dire que cette famille est venue à un moment donné de Bretagne, a traversé la mer, est allée s'installer à l'île Maurice. Et aucun membre de cette famille n'est resté à l'île Maurice. J'avais un oncle qui était à Trinidad et Tobago, j'en avais un qui était à La Réunion, c'était un peu moins loin. Un qui était allé en Guyane, mon père finalement a décidé d'aller en Afrique, il n'y avait que les filles qui restaient parce qu'elles n'avaient pas les moyens, ne faisaient pas d'études, donc elles n'avaient pas, si elles ne se mariaient pas, elles n'avaient pas moyen de quitter l'endroit où elles étaient. Et donc c'est cette idée que c'était une famille ballottée par les océans. Mais c'est une idée un peu littéraire aussi. Je me souviens qu'un des premiers livres de littérature que j'ai lu, c'était ce roman de Rudyard Kipling qui s'appelle « Capitaine courageux ». On ne lit plus beaucoup ça maintenant, mais il y a une époque où on donnait à lire ça aux jeunes garçons. Et donc la littérature, et puis il y avait Henri Dana
Charles-Henri Dana, je crois, qui avait écrit « Two years before the mast », deux années sur le pont. Et donc on donnait à lire ça, et la mer avait un, c'était un élément littéraire. Et pour moi, c'était vraiment lié à la littérature. Je ne connaissais pas la mer. La première fois que je l'ai vue, c'était en allant en Afrique, et c'était une mer particulièrement lourde et peu mobile. Nous étions dans un petit bateau, ça a pris des, je crois, un mois et demi pour arriver oui, en Afrique. Plus, je crois, plus. Et ça a été... Au Nigeria, vous faites allusion à ce voyage quand vous aviez 8 ans. Donc ça, c'était une mer qui n'appelait pas à l'écriture ou ni à la lecture. Et c'était à tel point que je m'ennuyais tellement sur ce bateau que j'ai inventé un voyage qui était le double de celui que je faisais. Mais j'écrivais ce voyage dans lequel le navire était attaqué par des baleines, il y avait des tempêtes. J'avais besoin que... Et donc la mer, c'était pour moi plus littéraire que véritable. Je ne connaissais pas vraiment la mer. Alors, je vous propose qu'on écoute la mer, lue par Audrey d'Ulster, et donc qui est un extrait de la première novella de Tempête. Bonsoir. La mer. C'est elle que j'aime le plus au monde. Depuis que je suis toute petite, j'ai passé la plus grande partie de mon temps avec la mer. Quand nous sommes arrivés dans cette île, ma mère a d'abord travaillé dans les restaurants de coquillages. Elle y allait tôt le matin et elle m'installait dans ma poussette, dans un coin, pour que je dérange personne. Elle nettoyait le ciment à la brosse, elle lavait les bacs et les marmites, elle balayait la cour... Et elle brûlait les ordures. Ensuite, elle travaillait à la cuisine, à hacher les oignons, à laver les coquillages, puis à préparer les légumes de la soupe et couper les poissons pour les sushis. Moi, je restais dans ma poussette, sans rien dire, à la regarder. Il paraît que j'étais très sage. Je voulais pas aller jouer dehors. La propriétaire disait « Qu'est-ce qu'elle a, cette petite ? On dirait qu'elle a peur de tout. » Mais moi, j'avais pas peur de tout. Je restais pour protéger ma mère. Pour être sûre qu'il ne lui arrive rien. Puis un jour, maman en a eu assez d'être la domestique de ces gens. Elle s'est mise d'accord avec les vieilles dames qui apportaient les coquillages et elle est devenue, elle aussi, une femme de la mer. À partir de ce moment-là, je suis allée tous les jours au rivage. Je marchais avec ma mère, je portais son sac, ses chaussures, son masque. Elle s'habillait dans les rochers à l'abri du vent. Je la regardais quand elle était nue, avant d'enfiler sa combinaison de plongée. Ma mère n'est pas grande et grosse comme moi, elle est plutôt petite et maigre. Elle a la peau très claire. Sauf son visage, qui est brûlé par le soleil. Je me souviens que je regardais ses côtes qui sortaient sous sa peau et ses seins, avec des bouts très noirs, parce qu'elle m'a donné à téter très longtemps, jusqu'à ce que j'aie 5 ans ou 6 ans. La peau de son ventre et de son dos est bien blanche, mais la mienne est presque noire, même si je ne vais pas au soleil. C'est pourquoi à l'école, les enfants disent que je suis noire. Un jour, j'ai dit à ma mère, c'est vrai que mon père était soldat américain et qu'il nous a abandonnés. Ma mère m'a regardée comme si elle voulait me gifler. Mais elle a dit, ne répète plus jamais ce que tu viens de dire. Tu n'as pas le droit de me dire des choses méchantes. Elle a dit aussi, si tu répètes les choses méchantes qu'on t'a dites, tu craches sur toi-même. Alors je ne lui en ai plus jamais parlé. Mais n'empêche, j'aimerais bien connaître la vérité au sujet de mon père. La mer est pleine de mystères. Mais ça ne me fait pas peur. De temps à autre, la mer avale quelqu'un.
Une femme de la mer, ou un pêcheur d'ourite, ou bien un touriste imprudent que la vague a aspiré sur un rocher. La plupart du temps, elle ne rend pas les corps. Le soir, quand les femmes de la mer se réunissent devant la cabane de parpaing pour se déshabiller et se laver au jet, je m'assois avec elles et je les écoute parler. Elles parlent dans le dialecte de l'île, j'ai du mal à tout comprendre. Elles ont un drôle d'accent chantant, on dirait qu'elles n'arrivent pas à oublier leurs appels quand elles sortent de la mer. Elles parlent la langue de la mer. Une langue qui n'est pas tout à fait comme la nôtre, dans laquelle se mélangent les bruits qu'on entend sous l'eau, les murmures des bulles, le crissement du sable, les explosions sourdes des vagues sur les récifs. Elle m'aime bien, je crois. Elle m'appelle par nom, June. Elles savent que je ne suis pas d'ici, que je suis née à la ville. Mais elles ne me posent jamais de questions, ni sur mon père, ni sur ma mère. Elles sont discrètes, même si je suis sûre qu'elles ragotent quand j'ai le dos tourné. Mais ce n'est pas grave, tous les humains font ça. Elles sont vieilles, leurs enfants sont loin, ils travaillent pour des compagnies, ils voyagent. Elles m'aiment bien parce que je dois leur rappeler leur fille. Une fille qui a grandi et qu'elle ne voit plus qu'une fois ou deux par an pour une fête ou un anniversaire. Elle m'appelle ma fille. Ou bien la petite. Même si je suis plus grande qu'elle. Merci. Elle a 13 ans, je crois, June, dans ce... En fait, cette nouvelle-là, c'est un récit à deux voix. Il y a le récit de cette jeune fille qui a 13 ans, et puis la voix d'un homme plus âgé. Vous dites qu'il est vieux, on ne sait pas très bien quel âge il a. Il revient sur cette île. On pense que c'est pour retrouver un amour perdu, une femme qu'il a aimée, qui est morte en se noyant ou en se suicidant, peut-être. Oui, c'est un livre à deux voix. Et c'est un livre, en fait, c'est un livre qui m'a été inspiré par une lecture que j'avais quand j'avais 8 ou 9 ans. Mon père était abonné au Geographical Magazine. Et un jour, je tombe sur ce numéro que j'ai perdu depuis. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et dans ce numéro, il y avait un reportage très étrange pour un enfant sur ces femmes qui, à cette époque-là, plongées nues, avec une corde attachée autour de la taille. Et à cette corde était attachée une pierre pour qu'elle puisse couler plus facilement. Et donc, il se laisser couler au fond de l'eau pour aller ramasser les ormeaux à ballonne, on les appelle aussi ainsi, et qui est un des coquillages les plus estimés, les plus chers, les mettait dans un filet et les ramenait à la surface. Mais pour faire ça, rester quelquefois plusieurs minutes sous l'eau sans respirer. Et je pensais tout à coup, en les voyant, et j'ai visité cette île et j'ai vu ces femmes qui sont toutes au-dessus de 70 ans, certaines ont même 80 ans, et elles continuent à faire la plongée. Maintenant, elles sont habillées. Elles ont des tenues de plongée en caoutchouc noir. Elles ont des masques de plongeuse. Mais elles continuent tout de même à rester 2 minutes sous l'eau sans respirer pour ramasser ces coquillages en profondeur, parce que l'île est très pauvre. Pratiquement rien qui pousse que des oignons, de l'ail et quelques patates douces. Et donc ce sont elles qui font vivre l'économie de l'île. Et elles n'auront pas de successeurs, elles n'auront pas d'héritière, parce que leurs filles ne les autorisent pas à faire ce métier. Donc c'est en train de disparaître. Et l'UNESCO a essayé de voir par quels moyens on pourrait obtenir de maintenir cette tradition. Mais elle refuse, elle pense que c'est une vie trop dure. Et donc j'ai eu envie d'écrire cette histoire
En fait, c'est un livre à trois voix. Il y a la voix de cette très jeune fille qui a 13 ans, qui voudrait être l'héritière de sa mère et faire comme elle et devenir plongeuse. Et il y a la voix de cet ancien paramilitaire qui était probablement dans l'armée, mais qui était plutôt un accompagnateur qui prenait des photos. J'en ai connu à l'époque de la guerre du Vietnam et qui a assisté à des choses horribles et qui vient dans cette île pour essayer d'oublier, retrouver le souvenir d'une femme qu'il a aimée et qui s'est suicidée en nageant, et oublier le souvenir des choses horribles de la guerre. Et les troisièmes voix seraient les voix de ces plongeuses qu'on n'entend pas, sauf quand elles sortent de l'eau. Elles ont passé 2 minutes, quelquefois un peu plus sous l'eau, et quand elles sortent de l'eau, elles poussent un cri déchirant, un cri presque animal, un cri qui ferait penser à un cri de la naissance. Et c'est leur manière de reprendre contact avec l'air. Et donc, ce sont ces trois voix peut-être on peut entendre dans ce livre. Mais vous avez une fascination pour les îles quand même. Il y a celle-là, il y a Maurice, l'île de votre famille, vos ancêtres. Rodrigue, la fameuse île où votre grand-père essaie de retrouver un trésor hypothétique. Et puis aussi une île sur laquelle vous avez écrit un livre qui est peu connu, mais moi que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Raga. C'est une île de l'archipel du Vanuatu dont on parle beaucoup. Pour le moment, vous êtes trouvé là sur cette île qu'on appelle aussi l'île de la Pentecôte, je crois. Et vous êtes retrouvé là par une série de circonstances qui seraient peut-être un peu longues à raconter, mais et tout d'un coup, vous débarquez, vous êtes à peu près seul sur cette île à la arpenter, vous logez chez quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose de très aventureux dans cette histoire, Raga. Oui, enfin, aventure relative, parce que aujourd'hui, les aventures ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient. J'ai logé chez des bonnes sœurs, par exemple, sur l'île de Raga. Ce n'est pas très aventureux. Mais je suis attiré par les... Vous êtes blessé quand même, je me rappelle. Pardon ? Vous êtes blessé et vous avez dû... Il n'y avait pas de quoi se soigner. Oui, la vie est très dure pour les habitants du Vanuatu. Mais c'est assez dur pour les Mauriciens aussi. Et je crois que pour les Sénans, c'est très dur. Vivre dans une île, sauf quelques îles paradisiaques que je ne vais pas nommer, mais qui existent, la plupart du temps, c'est une vie assez difficile. À Maurice, la vie est difficile parce que c'est une île qui est très peuplée, il n'y a pas beaucoup de travail, l'économie est faible. La canne à sucre produit du sucre, mais on n'en fait rien, on n'a plus besoin de sucre. On se sert de la canne actuellement à l'île Maurice pour faire de l'électricité. On brûle les cannes pour faire l'électricité qui éclaire les gens et les hôtels de l'île. Et donc, la vie est difficile. Et la vie est difficile parce qu'on est confronté à cette sorte de prison maritime qu'est la mer. Quand on est dans une île, on n'en sort pas facilement. Je crois que je suis assez attiré par cette vie difficile et en même temps qui doit avoir quelque chose d'idéal parce que c'est une façon de mieux percevoir l'omniprésence de la mer dans l'histoire humaine. Et c'est Glissant qui disait que les îles, et en particulier les îles des Antilles, avaient 100 ans d'avance sur tous les continents. Parce qu'ils avaient tout connu. Dans les îles, on voit tout arriver. Ce sont les îles qui sont frappées en premier par les vagues, les vagues destructrices de l'humanité, par les vagues destructrices de la nature. Et il y a une sorte de confrontation continuelle. Et je crois qu'il a raison. Quand on est d'une île, on sait mieux les choses que quand on appartient au continent. Et donc, c'est peut-être cette leçon des îles que j'aime recevoir quand j'y vais. Mais je ne suis pas d'une île. Moi, je suis né à Nice. Oui, je sais. Je ne suis pas d'une île du tout. On a fait quelques entretiens déjà ensemble, et je me rappelle le premier qu'on avait fait, c'était autour de la question du nomadisme. Et ce qui frappe dans votre œuvre, c'est surtout ça,
quand on la découvre pour la première fois, c'est que c'est une œuvre qui brasse les peuples, qui brasse le monde. On est à l'île Maurice, on est au Mexique, on est aux États-Unis, on est à Nice, on est dans des villes, Londres, on est partout. Et je me rappelle, lors de ce premier entier, on avait d'ailleurs fait une carte avec tous ces endroits qui avaient compté pour vous, puisque vous en aviez fait des sujets de livres. Et on avait l'impression qu'il y avait une sorte de planète, le Clésio, que c'était... Vous aviez redessiné le monde à travers vos livres. Et aujourd'hui, en les relisant, puisque nous sommes invités ici à parler du thème du temps, je suis frappé par le fait que ces voyages sont aussi des voyages dans le temps. Celui de la mémoire qui invite à revenir sur ses pas. Alors, je vous cite, « Car c'est une chose de voyager et d'aller au-devant de nouveaux horizons, et une toute autre chose que de rencontrer son passé comme une image inconnue de soi-même. » Et en fait, est-ce que c'est ça que vous avez tenté de faire tout au long de votre vie et de votre œuvre, voyager pour remonter le temps ? Oui, le nomadisme, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, j'ai épousé une nomade, oui. Et c'est une vraie nomade. C'est-à-dire que quand elle se déplace, elle emmène tout avec elle. Tandis que moi, je voyage assez léger. Donc oui, on a pu le constater. Je voyage avec la certitude que je vais tout trouver là où je vais. Tandis qu'elle a la certitude que tout va lui manquer. Donc c'est peut-être ça la grande différence. Et voyager, ça semble un luxe aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un luxe réservé aux nations et aux citoyens des nations prospères. Quand on est mauricien, justement, pour ne prendre que cet exemple, c'est assez difficile de sortir. Avec un passeport mauricien, quand vous voulez entrer aux États-Unis, on vous demande de montrer de l'argent, de montrer le billet de retour, d'avoir une lettre d'hébergement. Enfin bon, c'est vrai aussi pour les Marocains qui viennent en France. Donc ce n'est pas facile d'être nomade quand on est d'un pays qui... Mais tout à l'heure, à l'hôtel, avec votre carte d'identité mauricienne, ça s'est très bien passé. Oui, c'est la Belgique aussi. En Belgique, on accepte ça. En France, on n'accepte pas trop cette carte, mais bon. Mais oui, le temps, parce que en effet, quand on ce qui hante, ce qui trouble dans le parcours du monde, c'est que on traverse des strates de temps qui ne sont pas les mêmes. Quand vous arrivez dans certaines îles comme le Vanuatu, vous avez l'impression d'être un peu, comme disait Glissant, à la fois en avance, parce que les gens connaissent tout, ils ont déjà tout expérimenté, ils sont au courant de tout ce qui existait, et ils ont traversé des périodes coloniales très difficiles, ils en sont sortis, et en même temps, il y a un retrait dans le temps aussi, parce que la vie n'a pas le même rythme. Et par exemple, la situation des femmes est terrible au Vanuatu. C'est une situation qui est tout à fait préoccupante pour elles. Et quand j'étais à Vanuatu, mon hôte, c'était une femme qui s'appelait Charlotte Matansue, qui est une conteuse extraordinaire. À qui vous avez dédié d'ailleurs le livre. Oui, et puis j'étais content qu'elle vienne au Louvre, justement. J'avais une exposition au Louvre. Le but de cette exposition, c'était qu'elle puisse venir au Louvre pour voir Paris et voir les objets qui sont au Louvre, qui sont exposés. Donc, mais elle, c'était une femme qui a été battue par son mari, qui s'est enfui, qui a essayé de divorcer. Et le divorce est interdit, donc des complications extrêmes. Donc vous êtes dans un autre temps, dans une autre dimension humaine. Et en fait, vous avez l'impression que nous autres qui sommes privilégiés et qui pouvons, grâce au passeport, puisque c'est le nom de ce festival, nous pouvons aller partout. Mais il y a des personnes qui sont prisonnières de leur situation et qui ne peuvent pas s'échapper de cette situation. Et donc, je crois que ce serait un des buts, au fond, de l'humanité maintenant, ce serait d'aider chaque personne à avoir un passeport, à pouvoir... dans le sens le plus large du mot, c'est-à-dire à pouvoir sortir, à pouvoir vivre autrement, à pouvoir connaître les autres, parce que le monde entier est curieux du reste du monde. Au Vanuatu, on est aussi curieux
de venir en Belgique. En Belgique, on pourrait être curieux d'aller voir le Vanuatu. Mmh. C'est une curiosité réciproque. Donc, vous ne parliez peut-être pas de ce temps-là. Non, oui, on parle. Il faut qu'on revienne, sinon les organisateurs ne seront pas contents. Il faut qu'on revienne à la question du temps, oui. et donc à la question de la mémoire. Qui est quand même un peu le moteur de votre écriture. On a l'impression que c'est la mémoire qui est tout le temps en éveil lorsque vous écrivez, lorsque vous voyagez. Vous dites, je vais vous citer, la mémoire n'est pas une abstraction, c'est une substance, une sorte de longue fibre qui s'enroule autour du réel et l'attache aux images lointaines, allonge ses vibrations, transmet son courant jusqu'aux ramifications nerveuses du corps. Donc c'est quelque chose de très physique, la mémoire. Oui, tout à fait, ça c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que je suis persuadé que ce qu'on appelle un souvenir, ça n'existe pas vraiment. Parce qu'en réalité, c'est transporté par tout notre être et nous le portons sur notre peau et dans notre sang. Et en réalité, nous ne faisons que recréer constamment des instants qui ne nous appartiennent plus. Nous les réinventons. À tel point qu'au bout d'un moment, ils ne ressemblent plus à rien de ce qu'ils étaient. Et voyager pour trouver son passé, ce serait complètement illusoire. Voyager comme on le faisait à une certaine époque pour aller voir des êtres humains qui vivaient au temps du paléolithique, c'était complètement absurde, c'était complètement faux. C'était ignorer complètement l'évolution de l'être humain qui se construit constamment. Qui n'arrête pas de se construire. Et que les sociétés dites primitives sont en fait des sociétés qui ont évolué. Et elles sont dans la modernité, mais c'est une autre modernité qu'on ne connaît pas. Et pour moi, si je traverse des strates géographiques, ce n'est pas à la rencontre de ce que j'aurais pu être ou de ce qui a été. Si je parle de l'île Maurice, ce n'est pas pour faire revenir un paradis perdu, mais c'est plutôt pour essayer de comprendre en quoi je suis rattaché, moi, à cet espace-là. Qu'est-ce qui est encore vivant en moi de tout cela? Qu'est-ce qui vit en moi qui vivait chez mes ancêtres, chez mes ancêtres bretons, qui se sont battus pour l'indépendance de la Bretagne? Et qu'est-ce qui survit en moi de ces êtres? Qu'est-ce qui survit en moi de cette horrible période de l'esclavage que certains de mes ancêtres ont côtoyé? Je sais que dans ma famille, il y a des gens qui ont été tués par des esclaves révoltés. Mais s'ils ont été tués, c'est qu'ils devaient être horribles. On ne tue pas des gens qui sont innocents. Donc, ça peut arriver. Donc je connais tout cela. Et en fait, ce n'est pas par nostalgie du passé, mais c'est pour comprendre ce qui de ce passé résiste et existe encore aujourd'hui. Oui. Chez vous et chez moi, pas seulement chez moi. Mais moi, je suis frappé aussi, l'enfance, par exemple, revient sans cesse dans vos romans. Vous citez Flaherty O'Connor qui dit « Un romancier doit être porté à écrire sur les premières années de sa vie, où le principal lui a été donné. » Alors, vous écrivez beaucoup dans plusieurs de vos livres, je pense notamment « Révolution »,« Ritournelle de la fin ». Sur cette période de votre enfance à Nice, où il y a deux choses qui reviennent sans cesse, c'est la guerre et la faim. Et d'ailleurs, dans votre discours du prix Nobel, vous dites ça. Si j'examine les circonstances qui m'ont amené à écrire, je vois bien qu'au départ de tout cela, il y a la guerre. Celle que vivaient les civils et surtout les enfants très jeunes. Donc la faim et la guerre, voilà deux éléments fondateurs de votre enfance et aussi de votre travail d'écrivain. Oui, mais je vous l'ai dit, je suis déraisonnablement nostalgique. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de regarder cette époque. Vous avez parlé de Nice. C'était une ville étonnante, Nice, quand j'étais enfant. Et il y avait encore des bateaux qui débarquaient des ballots de Liège sur le port. On voyait ces ballots de liège rouge et il y avait une odeur qui venait de l'Afrique. Parfois même, on avait des insectes africains qui arrivaient, qui avaient voyagé sur les bateaux et qui se répandaient dans la ville de Nice. Il y avait encore
la vieille population de Nice, qui était des gens élégants, qui ne seraient jamais sortis sans avoir leurs chaussures vernies, les guêtres sur leurs chaussures, les hommes avec les cheveux gominés, les femmes avec leurs plus belles robes, et ils sortaient de véritables taudis. Nice n'était pas la ville qu'elle est devenue, une ville d'opérette luxueuse. C'était une vraie ville génoise avec des quartiers qui sentaient fort, des draps qui séchaient aux fenêtres, un peu l'image qu'on a de Naples. Je ne suis pas allé à Naples, mais c'est l'image qu'on a souvent de cette ville. Et donc j'ai une énorme nostalgie pour cette époque-là. Mon frère aussi, nous avons grandi dans cette ville. J'ai une grande nostalgie pour l'Afrique quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, où nous courions pieds nus sur la terre à la recherche des serpents et des lézards. J'ai une très grande nostalgie pour tout ça, et en même temps, je sais que ça n'existe plus. Donc, je ne suis pas vraiment tenté de ressusciter tout cela. Je suis plus intéressé par essayer de comprendre comment ce monde s'est transformé de cette sorte de monde colonial à un monde moderne, industriel, qui n'est pas moins dur pour les populations dominées. Le monde d'aujourd'hui est tout aussi cruel qu'il l'était à l'époque coloniale. Ce n'est pas la même cruauté, ce ne sont pas les mêmes réactions des gens. Donc j'ai cette nostalgie, et en même temps j'ai toujours un frein à cette nostalgie, parce qu'elle me semble stérile, et il me semble que ressusciter son enfance et la décrire en mettant des lunettes de couleur, ça serait une trahison, que je dois quelque chose d'autre à la littérature, à l'écriture. Pour moi, écrire, c'est merveilleux, et je ne veux pas trahir un seul instant, un seul mot. Je veux que tout soit exact, tout soit très, très précis. Et dans cette enfance, il y a aussi quelque chose sur lequel vous avez beaucoup écrit, c'est le père absent, dont vous racontez que vous avez été élevé par des femmes, en fait, vous et votre frère, par votre mère évidemment, mais aussi par votre grand-mère, par votre tante, etc. Et puis un épisode que vous avez raconté dans deux livres, Nietzsche et l'Africain, c'est que quand vous avez à peine 8 ans, même pas 8 ans je crois, vous embarquez sur un bateau et vous faites ce fameux voyage et vous découvrez avec des yeux, je dirais, d'enfant, vous découvrez l'Afrique et vous découvrez aussi votre père qui était un inconnu et dont vous faites un portrait quand même assez sévère. J'ai écrit ça dans l'Africain, dans Nietzsche, c'est une version romanesque, oui. Donc probablement plus exacte parce qu'elle est romanesque. Et il y a ce côté, effectivement, cet éblouissement devant l'Afrique, parce que nous étions, mon frère et moi, j'insiste bien que mon frère était avec moi, nous étions deux petits garçons pauvres avec des habits rapiécés et qui avaient crevé de faim pendant la guerre, et nous arrivions dans le continent où tout semblait à profusion, les fruits, les couleurs, les odeurs, la joie de vivre était là, étalée, et nous arrivions tout à fait timorés, rétrécis. Et petit à petit, nous nous ouvrons à la vie, nous découvrons ce qu'est la beauté de la vie, parce que la beauté physique, le choc physique de cette vie, si on la compare à la ville de Nice, quand j'ai quitté Nice, les immeubles étaient encore bâchés de sortes de filets de camouflage qui couvraient l'église, qui couvraient les alentours du port. Il y avait encore un bateau coulé à l'intérieur du port qui empêchait les gros bateaux d'entrer. Et toutes les séquelles de la guerre étaient encore présentes. Et d'arriver en Afrique, c'était le sentiment d'une liberté, d'une libération. Donc ça, c'est une expérience absolument incroyable, inoubliable. Et je crois que ça m'a donné vraiment envie. Ça m'a donné le substrat, la substance pour commencer d'écrire et continuer d'écrire. À chaque fois que j'ai quelques doutes sur l'intérêt de créer quelque chose avec des mots, je pense à la joie que c'était de mettre des mots sur ces sensations, sur ces expériences. Qu'un orage, ce n'est pas un orage, c'est comme
un combat qu'il y a dans le ciel avec des roulements qui ébranlent la terre et puis ensuite la pluie qui tombe comme un rideau et qui écrase toutes les plantes sous leur poids et les enfants qui courent tout nus pour se laver sous la pluie. Donc tout ça, c'est... Mais c'est un peu l'expérience de la liberté. Les étendues à perte de vue, vous êtes pris comme ça dans un monde, disons, sauvage, où vous, avec votre frère, vous êtes carrément adopté par les enfants noirs, etc. Mais en même temps, il y a votre père qui est là et qui est quelqu'un d'autoritaire, qui vous impose... Enfin, relativement. Oui, non, mais le portrait que vous faites dans l'Africain est assez... Ce qui était terrible, c'est que ça a été un moment très bref, parce que c'était deux ans, le moment vous êtes resté là, à peu qui près. A précédé... la libération du Nigeria. Le Nigeria a acquis son indépendance en 1961. Et très peu de temps après, ont commencé des guerres de règlement de compte, qui ont été embrasées ensuite par, d'un côté, l'Union soviétique et la France, de l'autre, les États-Unis et l'Angleterre, chacun agissant pour ses puits de pétrole, et créant le désastre qu'a été la guerre du Biafra. Donc c'était un moment très bref. J'ai l'impression d'avoir vécu une espèce d'illusion, comme une sorte de chimère, quelque chose qui n'existait pas vraiment. Alors, est-ce que ça a existé ou non? Je n'en suis pas très sûr, en fait. Et après cela, en parlant avec ma mère, elle me disait, oui, mais une telle avec laquelle tu jouais, et je me souviens d'elle très bien, une telle est devenue, très peu de temps après, est arrivée la nouvelle qu'elle s'est mariée à l'âge de 12 ans. À 12 ans, mariée, elle commence à avoir des enfants. Donc, ce sentiment d'avoir vécu dans une sorte d'explosion de liberté, c'était très illusoire. C'était juste, peut-être, le sentiment de petits garçons venant de l'Europe frappée par la guerre et qui étaient ivres de tout ce qu'ils voyaient, mais ne se rendaient pas compte des réalités. Quelque chose que vous racontez sur votre père et qui m'a beaucoup touché, c'est qu'en 1940, la guerre éclate, vous venez de naître, votre frère a 2 ans, disons, et lui, il est là au Nigeria, il a envie de sauver sa famille d'un éventuel massacre. Et alors il se met à voyager pour essayer de rentrer en Europe. Il remonte, je ne sais par quel moyen, vous racontez... vers le nord de l'Afrique, il traverse le Hogar, l'Adrar, sans doute le Hogar, et puis il est arrêté aux environs d'Alger, il doit rebrousser chemin, finalement il ne peut pas rentrer. Et alors là, il y a un voyage, j'ai pensé, le voyage du père qui préfigure un peu, qui suit les voyages qui se sont faits par ailleurs, par vos ancêtres, et puis vos propres voyages. C'est comme si, finalement, chez vous, il y avait une espèce de répétition du voyage, que c'est dans les gènes. Il n'avait pas prévu qu'il y aurait la guerre, mais il a voulu effectivement sauver sa famille. Mais comme il était dans l'armée britannique, il a été arrêté à la frontière de l'Algérie par l'armée française. Et c'est une chose tragique de penser ça, qu'un officier, puisque quand on était médecin dans l'armée britannique, on avait le rang d'officier, pouvait être dérouté juste par un officier français, parce que les Français étaient ennemis héréditaires de l'Angleterre. Et donc, un citoyen anglais qui se présente à la frontière, on est en guerre contre l'Allemagne, mais l'officier français repousse le soldat anglais qui se présente. C'est les choses absurdes et grotesques et terrible de cette époque-là. Donc ça, c'est cette époque de la guerre qui a été en effet une époque où tout s'est exacerbé, les sentiments, les actes, tout était distordu et n'avait plus vraiment de réalité. Mais donc oui, je pense d'une certaine façon, c'est la genèse de mon goût de l'écriture, parce que alors cet homme que je n'ai pas vraiment connu, quand je l'ai rencontré, je ne l'ai pas compris. J'ai vu seulement son côté très officier british, très, très strict, qui maniait la canne. Bon, dans l'armée anglaise, on maniait la canne avec tout le monde. Il maniait la canne avec ses fils. Oui. Mais quand il est rentré, parce qu'il a pris sa retraite assez tôt, à 50 ans, je crois,
C'était pas tellement. Il vivait de manière assez étrange. Il continuait à s'habiller un peu comme un militaire chez vous. Il était habillé avec une chemise à houssa. Ah oui, c'est ça. Et mais avec un pantalon kaki. Un pantalon kaki. Il était habillé bizarrement, ça c'est vrai. Mais c'était un peu un étranger pour vous. Oui, c'était difficile de le comprendre. Lui, je suppose, faisait vivre à la fois l'île Maurice de son enfance, oui, où on n'avait pas l'électricité, et le Nigeria, où il n'y avait pas non plus l'électricité, puisqu'il était médecin de brousse. Donc il fabriquait lui-même ses bougies en faisant fondre de la cire et en trempant dans de la paraffine des lacets de chaussures pour faire la mèche. Et il s'éclairait le matin avec sa bougie. On n'avait pas le droit d'allumer la lumière. C'était du gaspillage. Et il surveillait tout. On avait droit pratiquement à un verre d'eau par repas. On se douchait, mais il fallait récupérer l'eau de la douche pour laver son linge avec l'eau qui avait servi à se doucher. Donc il avait un système très écologique, en fin de compte, mais un peu difficile à comprendre pour un enfant qui vit dans un endroit où il y a tout ce qu'il faut. Mais je crois que ces leçons-là, ça m'a servi tout de même. Ça a été utile, pour l'économie en tout cas. Vous avez raconté quelque chose qui m'a toujours fait rire, c'est que quand vous avez donc écrit Procès-verbal, qu'on a évoqué tout à l'heure, et vous avez donc eu le prix Renaudot pour ce livre, et chez vous, à Nice, vous n'aviez pas le téléphone, et votre père écoutait la radio. Et tout d'un coup, il entend que vous avez le prix Renaudot. Et il vous dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu devrais être à Paris. Et est-ce qu'il savait que vous écriviez? Qu'est-ce que ça se passait? Comment est-ce qu'il vous lisait, par exemple? Il n'en parlait pas, mais évidemment, il voyait bien que je passais mon temps à écrire. Il devait se demander si je faisais quelque chose de sérieux ou non. Et il n'a jamais été convaincu que c'était quelque chose de complètement sérieux. Et donc, en effet, il a eu cette réaction un peu violente. Je crois qu'il aurait été assez content, en fait, que je vide les lieux à ce moment-là, sur ce prétexte. J'avais quand même 22 ans, puisqu'on en parlait avant. Et donc, il était temps que je quitte l'endroit. Et ma mère, évidemment, n'était pas de cet avis. Moi, j'étais finalement, comme sont beaucoup de jeunes aujourd'hui, assez attaché à mon confort, et je ne voyais pas pourquoi j'allais partir de cet endroit pour aller ailleurs. Mais je pense, d'une certaine façon, c'était un moyen de dire qu'il approuvait ce que je faisais, qu'il ne le condamnait pas. Il aurait pu dire « ça ne sert à rien, tu ferais mieux de faire des études de médecine, par exemple. » Est-ce qu'il aurait bien aimé que l'un de ses enfants fasse ces études-là? Et donc, c'est toujours les quiproquos à l'intérieur des familles. On ne se rencontre pas entre générations. Et moi-même, j'ai des enfants et je vois tout ce qui me sépare de leur génération. Il y a un abîme incroyable. Ce ne sont pas seulement des rites ou des tics de la vie, c'est une façon de regarder le monde. Moi, j'aurais tendance à regarder le monde avec les yeux innocents qui ont conduit à mai 68, mais mes filles ne sont pas du tout dupes de ça. Elles savent très bien que la révolution ne changera rien. Mais qu'il n'y aura peut-être pas de révolution. Et qu'on ne fait pas de révolution, oui, c'est vrai. On va peut-être écouter un second extrait de Tempête, qui est donc issu de la deuxième nouvelle, qui s'appelle « Une femme sans identité ». À 8 ans, j'ai appris que j'avais pas de maman. À cette époque-là, nous vivions dans une grande villa près de la mer. La vie était facile. Mon père gagnait beaucoup d'argent en achetant et en revendant des voitures. Nous étions bien habillés, nous avions des chaussures de marque, des sacs, des jouets. La mère de Bibi ne travaillait pas, mais elle était relais dans la distribution de parfums et de crèmes de beauté. Elle était une femme Aveda, comme on disait. Alors mon père se moquait en disant Avida. Je ne l'appelais plus maman depuis quelque temps déjà, par instinct. Ou bien c'est elle qui m'avait fait comprendre qu'elle n'y tenait pas. Comment je l'appelais? Je disais elle, tout simplement.
Ou bien, la plupart du temps, Madame Badou, après tout, c'était son nom. Nous allions, Bibi et moi, à l'école des religieuses de la Nativité. Un chauffeur nous déposait chaque matin avec une des voitures neuves. Une Mercedes, une Audi ou la Chrysler tout-terrain. À l'école, il y avait plein de fils et de filles de gens riches, de ministres africains, d'ambassadeurs du Liban ou des États-Unis. Tout ça aurait pu durer longtemps. La seule ombre au tableau, c'était les disputes des parents. Bibi était trop petite pour se rendre compte, mais moi, au début, ça me faisait peur. Quand les cris commençaient, mes orteils se ratatinaient dans mes savates. Je me bouchais les oreilles pour ne pas entendre. Après, j'ai appris à mettre la sono au maximum. Du rock, du jazz, ou bien les morceaux de Fela. Je me réfugiais dans la chambre de Bibi. Normalement, je n'avais pas le droit de passer la nuit avec Bibi, mais quand les cris commençaient, je savais que personne viendrait me chercher. Pourquoi ils crient ? Demandait Bibi. Je lui répondais, ils aboient. J'avais trouvé ça pour être drôle, mais Bibi ne comprenait pas la plaisanterie. Pourquoi papa et maman, ils aboient ? Parce qu'ils deviennent des chiens. C'est vrai qu'ils aboyaient comme des chiens qui se battent. La voix grave de papa et la voix aiguë et rapide de sa femme. Je ne savais pas vraiment pourquoi ils se battaient. Je crois que c'est parce que papa avait une autre femme en ville. C'est ça qui rendait sa femme furieuse. Je disais à Bibi, t'en fais pas, ce sont pas des chiens. Ils se disputent, c'est tout. Quelquefois, des objets s'envolaient, des assiettes qui passaient par la fenêtre et atterrissaient dans le jardin, des verres cassés, des bibelots. Quand c'était fini, j'aidais la bonne à ramasser les débris. J'avais honte. Certains objets étaient juste fêlés ou ébréchés. Je les lui donnais en disant « Tiens, Salma, garde-les. De toute façon, ils n'en veulent plus. » Très tôt, je crois que j'ai eu un bon sens de l'humour. De ça, je les remercie. Par la suite, j'ai appris à mettre à l'abri les choses fragiles. Les jolis vases chinois, les assiettes à dessert ornées de houx, les verres à pied et les bibelots. J'ai appris aussi à ranger les couteaux et les ciseaux. Dès que la dispute commençait et que je me rendais compte que ça allait mal tourner, et ça tournait presque toujours mal, je fermais à clé le bahut où étaient les couteaux pointus et j'allais cacher les ciseaux dans la chambre de ma sœur, sous son matelas, parce que j'étais sûre qu'il n'irait jamais les chercher là. Salma se moquait de moi. « Laisse ! Ils vont pas se tuer !» Une fois pourtant, j'ai pas été assez rapide. C'était un dimanche, il faisait très chaud, un orage tournoyait au-dessus de la mer. J'étais dans le jardin, je me balançais dans le hamac en jouant avec Zaza, la petite chienne de Madame Badou. J'ai entendu les cris à l'étage. Et quand j'ai ouvert la porte, Madame Badou venait juste de planter les ciseaux dans la poitrine de papa. Le sang inondait sa chemise blanche. Elle était en proie à une crise nerveuse. Elle criait, elle gesticulait, debout, devant son mari, qui restait immobile, les bras écartés, avec les ciseaux bien droits dans sa poitrine. Il répétait d'une voix tragique, un peu ridicule, mais sur le moment, ça ne m'a pas fait rire. « Tu m'as tué, Esther. Tu m'as tué. » Bien sûr, il n'est pas mort. Je l'ai fait asseoir dans un fauteuil. Et là, sans aide, j'ai enlevé les ciseaux. La pointe s'était fichée dans la quatrième côte. Ça saignait beaucoup, mais c'était pas grave. Le docteur Cageman est venu, a fait deux points de suture. La version de papa, c'était qu'il avait trébuché et qu'il était tombé sur la table où les ciseaux attendaient un travail de couture. Le docteur Cageman n'a pas commenté. Il a seulement dit à Madame Badou, « La prochaine fois, faites attention. » Ça aurait pu être sérieux. Il devait bien se douter de quelque chose.
La plupart du temps, c'était lui qui s'occupait des contusions de Madame Badou. On tombait beaucoup dans cette maison. Quand je pense à cette période, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Avant, j'étais une enfant. Je savais rien de la vie. Je connaissais pas la méchanceté des grands. Après, j'ai été une adulte. Je suis devenue méchante, moi aussi. J'essaie de me souvenir du temps d'avant. C'est dans le genre d'un rêve, trouble, lancinant, qui me serre le cœur et qui me donne mal à la tête. C'est très beau et très doux. Les après-midi, avec ma sœur Abigail, nous sommes dans le jardin, nous jouons avec les animaux, nous escaladons les arbres pour voir par-dessus le mur les chauves-souris qui pendent des branches en grappes de fruits velus. J'aime bien Abigail. Je l'appelle que Bibi. Elle est ma poupée. Je m'amuse à tresser ses jolis cheveux blonds. Un jour, à la piscine, elle a failli se noyer. Je l'ai tirée de l'eau en l'attrapant par ses cheveux. Quand je l'ai sortie de l'eau, elle battait des bras. Elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Alors j'ai soufflé dans sa bouche. J'ai crié « Bibi, je veux pas que tu mours !» Elle s'est réveillée. Et elle a toussé. Mais longtemps après, Madame Badou se moquait de moi parce que j'avais dit « mour ». Oui, le personnage de cette novella, c'est aussi un personnage qui est typique de ceux que vous avez, je dirais, mis en scène dans vos livres. Enfin, ici, la scène donc, se passe, je crois que c'est au Ghana, en Afrique. Et puis, c'est cette fille sans parents, finalement, avec au départ sa famille, revenir à Paris et elle va vivre une vie très dur, et on a un peu l'impression que beaucoup de personnages auxquels vous vous intéressez sont comme ça, sont des personnages à la marge qui sont face à la cruauté, à la dureté du monde, et puis parfois on les voit embarquer, se traverser, se lancer dans des migrations, ou bien embarquer dans des bateaux, comme dans le livre Hasard, par exemple. Voilà, tout un temps, j'ai l'impression que dans la première partie de votre œuvre, c'était surtout des jeunes hommes. Et puis, dans la seconde partie, vous êtes peut-être plus intéressé aux femmes, aux jeunes femmes, dans tous ces livres, Hasard, dans Désert, dans Poisson d'or aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ils viennent en fait ces personnages, que c'est des personnages que vous avez rencontrés ou dont vous avez suivi quelques traces? Je n'ai pas vraiment rencontré ces personnages-là, mais il me semble que quand je vis dans des grandes villes, et il m'arrive d'y vivre assez souvent, à Paris ou bien dans d'autres villes d'importance, je repère toujours ces personnes qui passent un peu comme des fantômes dans les rues, et je pense souvent, et ce sont souvent des jeunes femmes, il y a aussi des femmes âgées parfois dans cette situation, je pense qu'elles sont vraiment les héroïnes de notre temps, parce que ce monde est très dur, le monde de la ville est très dur, ne les reçoit pas, elles n'ont pas véritablement de repère, et elles arrivent à survivre, à se débrouiller. Je me souviens d'avoir lu dans la presse il y a assez longtemps l'histoire d'une jeune fille à Dublin, et on a découvert qu'elle vivait dans un parc municipal. Dans la journée, elle était toujours très propre, elle prenait soin
d'elle et elle ne voulait surtout pas être arrêtée par la police, envoyée. Elle devait avoir dans les 15 ans ou 16 ans. Elle ne voulait pas qu'on l'envoie dans une maison de redressement ou dans un centre de regroupement familial. Donc elle faisait attention d'avoir l'air toujours active. Mais en réalité, elle n'avait pas de domicile. Et la nuit, il y avait une sorte de terrier dans lequel elle entrait sous les buissons. Et elle passait la nuit cachée parce que les villes sont dangereuses pour les filles. Et elle a réussi à survivre comme ça pendant des années, jusqu'un jour où, tout à fait par hasard, quelqu'un a découvert qu'elle n'avait pas de papier, qu'elle n'avait pas de travail et qu'elle vivait un peu de mendicité, c'est-à-dire qu'elle allait voir des commerçants, elle leur racontait quelque chose, ils lui donnaient un petit quelque chose à manger, elle survivait comme ça. Et pour moi, c'est assez étonnant, c'est comme le livre de la jungle, mais raconté de façon urbaine et à la place de Mowgli, c'est une fille qu'on ne voit pas, c'est une fille qui peut venir d'ailleurs ou qui peut même être... de là, mais et on ne la remarque pas. Mais les grandes villes sont aujourd'hui des jungles, oui, telles que oui. Vous les décrivez. Oui, je pense au film de Chaplin. Oui. Il retrace toujours ces situations dans lesquelles il y a un clochard, une jeune fille, ou un clochard, un enfant, et le clochard est là pour l'aider comme il peut, et c'est la seule personne compatissante, les autres n'éprouvent aucun intérêt pour cette personne, et je crois que c'est une situation, pas généralisée, mais assez courante, assez régulière dans les villes. Après ça, il y a une autre situation qui est celle des personnes âgées qui cachent leur détresse, ils ne font pas étal de leur détresse. Mmh. J'en ai connu aussi. Et, donc pour moi, ces personnes-là traduisent la capacité de résistance et de survie de l'être humain dans un des milieux les plus hostiles de la planète, qui est le milieu d'une grande ville. Mais une manière de résister, c'est de bouger, c'est de migrer, parce que ces personnages sont toujours en mouvement, ils bougent sans cesse, et vous êtes beaucoup exprimé, je trouve, ces temps-ci, peut-être même avant, sur cette liberté de bouger. Vous dites ceci, l'interdiction de vivre dans le lieu qu'on a choisi est aussi inacceptable que la privation de liberté. Et vous insurgez, par exemple, contre Schengen, etc., que vous trouvez un scandale. Vous êtes pour que les humains traversent les frontières, circulent comme ça, librement. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ces victimes du monde urbain, elles sont comme la réponse, enfin, comme la réplique cette grande souffrance que vivent la plupart des humains, qui est de l'impossibilité de se mouvoir, l'impossibilité de passer les frontières, dont on en parlait tout à l'heure. L'idéal serait d'abolir les frontières, mais ça c'est qu'une utopie totale, on n'y arrivera pas, mais ça serait une forme d'idéal qu'on devrait garder à l'arrière de la tête comme une sorte d'espoir confus et lancinant qui ne se réalisera pas. Mais après tout, on vit aussi la vie dans l'espoir d'une vie au-delà de la mort. Donc on pourrait avoir aussi dans la vie cet espoir qu'un jour les barrières qui nous séparent s'abolissent, soient abolies, et qu'on puisse passer d'un endroit à l'autre. En fin de compte, Schengen, en effet, ça a été, à mon avis, un grand drame pour l'Europe, parce que non seulement l'Europe a dressé ses murailles contre les pays du Sud, les pays émergents, mais elle s'est séparée de ces pays. Donc elle ne reçoit plus l'oxygène apporté par ces nations où l'on cultive l'esprit, où on cultive la musique, où on cultive un art de vivre différent. Il y a une sorte d'hostilité qui s'est dressée et aucune barrière ne résistera. On sait très bien que plus on dresse de murs, plus les gens ont envie de traverser ces murs. Donc la solution des murs, des miradors aux États-Unis, est en train de tracer une frontière avec un produit radioactif de façon à pouvoir regarder sur les semelles des gens qu'on soupçonne d'avoir traversé la frontière, voir s'ils portent des traces de ce produit radioactif. Donc, avec une sorte de lampe. Mais il y a déjà un mur pourtant entre le Mexique et les États-Unis. Oui, vous vivez à la frontière mexicaine, presque, vous voyez ça. Oui, j'allais beaucoup autrefois à Ciudad Juárez, à la frontière. Oui. J'aimais beaucoup traverser cette frontière. Elle est devenue actuellement dangereuse. Elle est devenue la proie des gangs et des trafiquants de drogue. Donc ça devient
Là aussi, c'est une barrière supplémentaire qui est créée. Et cette barrière, elle est créée aussi parce que les États-Unis refusent d'agir dans ce domaine. Ils considèrent que ces problèmes de criminalité appartiennent au Sud et qu'eux ne sont pas concernés. Mais en réalité, ils le sont. Ils le sont. Nous le sommes tous. Il n'y a pas de, il n'y a pas de barrière qui empêchera la criminalité de passer. Et donc, moi, je serais... j'ai comme cette idée d'une espèce d'idéal suspendu derrière moi, quelque part, mais qui m'obsède toujours, c'est cet idéal de liberté. Et mes ancêtres ont fui la Révolution pour justement trouver une forme de liberté. Non pas qu'ils fussent contre-révolutionnaires, mais... Ils ont fui la misère, surtout, non ? Ils ont fui la terrible misère et aussi les persécutions religieuses. Parce que mes ancêtres étaient bretons, donc breton, ça veut dire croyant. Oui. Et donc, ils ont fui tous ceux qui persécutaient la religion et qui transformaient les églises en écuries, et etc. Oui. Donc, mais donc, ce qu'il y a, c'est que oui, votre famille, au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, a migré dans l'autre sens. C'est ça qui est incroyable. Donc, ils sont partis de Bretagne vers Maurice sur un rafio là, qui s'appelait l'Espérance. Et puis après... au début du XXe siècle, disons 1910, quelque chose comme ça, vu la ruine familiale qui est un peu longue à raconter, ils sont revenus en Europe, donc c'est une double migration. Oui, c'est typique des migrants. Lorsqu'il n'y a plus de bénéfices ou il n'y a plus de moyens de vivre quelque part, il faut changer d'endroit. Sauf que à l'époque, pour aller de Maurice à l'île, enfin d'Europe à l'Île-de-France, il suffisait d'affronter pendant 3 mois ou 4 mois les tempêtes et les pirates, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. C'est facile d'aller d'Europe à l'île Maurice, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller de l'île Maurice à l'Europe. Et on est persécuté par la police, on est contrôlé, on n'a même pas de possibilité d'avoir un passeport, on n'a pas de visa, et si on a un visa, il est temporaire. Non, et puis il y a toutes les mafias qui organisent les... En plus, oui. Et mon père avait cette... étant donné qu'il avait cette citoyenneté mauricienne qui lui a été accordée à partir de 1968, quand il allait en Angleterre pour, je ne sais pas, voir l'Angleterre, parce qu'il aimait beaucoup l'Angleterre, il revenait en France et le préposé à la police des frontières lui demandait « Monsieur, est-ce que vous venez travailler ?» Parce qu'il avait un passeport mauricien, mais il avait 80 ans. « Est-ce que vous venez travailler ?» Et mon père lui répondait « J'aimerais bien être encore en âge de travailler. Oui. » Bon, donc, cette persécution s'adresse à tous dès lors qu'on n'appartient pas au club privilégié de ceux qui peuvent passer les frontières. Mais il y a donc Maurice, c'est vrai, qui est quand même... qui est en filigrane de presque de toute votre œuvre. Enfin, vous en parlez beaucoup. Et il y a aussi, je trouve, le personnage de votre grand-père qui le chercheur d'or, et puis aussi dans le livre Voyage à Roderick, qui est aussi qui a poursuivi cette chimère de trouver un trésor. Et pendant des années, il a commencé à essayer de à partir de plans, de carnets de notes, comme ça, c'est de nouveau la mémoire. Oui. Mais j'ai eu deux grands-pères assez remarquables par leur absurdité, l'un comme l'autre, parce que l'un a consacré le peu d'argent qui lui restait à acheter des terrains à l'île de Roderick pour pouvoir creuser et trouver un trésor qu'il n'a jamais trouvé. Et l'autre a consacré cette part de fortune qui lui restait, plus celle de ma grand-mère, pour essayer de construire des avions à l'époque. Et je me souviens d'une hélice en bois qu'il avait fait tourner par un ouvrier et qui restait dans un placard chez ma grand-mère. C'était tout ce qui restait de l'avion qu'il avait voulu faire construire. Donc c'était des gens qui poursuivaient un rêve inaccessible pour échapper peut-être à la réalité qui était que... cette partie de leur famille était en train de s'effondrer, qu'ils étaient en train de tout perdre, que les filles allaient vivre dans la misère, et c'est ce qui s'est passé. Mes tantes ont vécu très pauvrement à l'île Maurice, parce qu'elles n'avaient pas fait d'études, et elles vivaient vraiment de rien. Elles mouraient de faim. Et l'une d'elles, qui s'était installée à Nice, est littéralement morte de faim pendant la guerre,
parce que quand on n'avait pas d'argent pour le marché noir, il fallait se satisfaire de ce qu'on trouvait par terre. Enfin, c'était une famille particulière. Mais votre grand-père, vous êtes quand même, vous avez été loin, vous avez été sur cette trace à Rodrigue, donc une île quand même assez désertée. Vous avez retrouvé la fameuse anse où il a fait ses recherches, retrouvé ses signes, et vous êtes presque identifié à lui. Je trouve qu'il y a dans ce livre que je trouve magnifique, Voyage à Rodrigue, qui est pas un roman, mais vous appelez ça, je crois, carnet de voyage. Il dit « Pourquoi suis-je venu à Rodrigue ?» Donc ça, c'est vous qui parlez. « N'est-ce pas pour chercher à remonter le temps ? Je crois bien que ce que j'ai voulu, dès le début, c'est revivre dans le corps de mon grand-père, être lui, dont je suis la parcelle vivante. » Il y a quelque chose là de très physique, je trouve, dans cette expérience. Sous le soleil, vous essayez de retrouver toutes ces traces, comme on essaierait de retrouver, je ne sais pas moi, des débris d'un avion qui s'est échoué. Oui, parce que la mémoire, c'est physique. Donc, je ne peux avoir accès à la mémoire que par ce qui me touche physiquement, ce qui me rattache physiquement à cette histoire. Mais ce qui m'a le plus touché en retournant à Rodrigue sur les traces de cet illuminé qui avait cherché ce trésor, c'est de rencontrer les... Donc un trésor abandonné, soi-disant, par un corsaire. Oui, ce que mon grand-père appelait le privateer, oui. À la fois corsaire, mais un peu pirate à la fois. Et on n'a jamais su son nom. Il avait acheté quelque part une vieille carte qui semblait indiquer l'emplacement d'un trésor. Mais chez un notaire, je crois. Et cette carte, en fait, si on la tournait dans un sens, ça pouvait être l'île de la Réunion. Si on la tournait dans l'autre, ça pouvait être Rodrigue, ça pouvait être n'importe quoi. Et en fait, ça devait être une arnaque. Je pense qu'il s'est fait complètement tromper par la personne. Mais il a passé au moins une dizaine d'années. Oui, même plus que ça. Il a passé 25 ans à chercher ce trésor inutile. Et donc, pendant ce temps-là, le monde se délitait. Oui, c'était la guerre. Sa famille tombait en lambeaux. Oui. Sa fille était en train de constater le désastre économique qui s'installait. Mais alors, ce qui m'a touché, c'est de rencontrer les gens sur Rodrigue avec qui avaient creusé avec lui, qui à l'époque étaient des enfants, parce qu'il a engagé des enfants, moyennant quelques roupies, à faire des trous dans la terre. Et quand j'y suis allé, on m'a présenté des gens qui avaient donc 80 ans. Entre-temps, ils avaient grandi, mais ils se souvenaient très bien de ça. Et ils se souvenaient que mon grand-père, qui sur les photos apparaît comme un juge, c'est-à-dire un homme assez guindé, quand il arrivait là-bas, tombait sa veste, retroussait ses bras de chemise et disait, un des derniers témoins, « Lit toujours santé », il chantait tout le temps. Et j'essaie d'imaginer cet homme, créole, ce juge austère et assez strict dans sa vie avec sa famille, qui allait là-bas pour chanter, qui devait boire peut-être du rhum en plus et chanter en creusant ses trous. Donc il a eu une vie finalement assez heureuse. Mais ce qui est comique, c'est que vous avez découvert ces papiers qui avaient été rangés par, je ne sais pas si c'est votre mère, ou dans une sorte de classeur où il était marqué « papier sans valeur ». Exactement. Non, c'était sa fille. C'était sa fille, ma tante, oui, qui a tante. Récolté tout ça à sa mort et les a envoyés en France à mon père dans un colis sur lequel elle avait écrit rageusement « papier sans valeur » parce que pour elle, toute cette recherche... Et moi, c'est là, en les feuilletant, que j'ai vu la valeur que ça avait. Oui. Ça avait une valeur imaginaire incroyable. Et qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à faire tout ce travail de recherche sur ces traces et tout ça? Parce que si c'était une lubie... Non, mais c'est une histoire de famille compliquée, parce que dans cette famille qui a été ruinée, il y avait une partie de la famille qui ressassait tout le temps sa ruine, les raisons de sa ruine, et là, il y avait une des raisons de la ruine. C'était cette diversion qui était la recherche du trésor. Donc ça m'intéressait un peu comme un inspecteur de police aurait pu s'intéresser aux traces laissées par un criminel. Mais en même temps, c'était intéressant. Et petit à petit, on découvrait l'enthousiasme et tout ce qu'il avait soutenu, qui faisait qu'il échappait à la société assez confite de l'île Maurice, confite dans la religion, confite dans le conformisme.
Et lui partait à l'aventure sur un petit bateau, arrivé, passé trois ou quatre mois de liberté totale. N'était plus juge à ce moment-là, avait oublié ses jugements et devenait un homme libre. En espérant tout de même sauver, peut-être récupérer dans le trésor l'occasion de sauver, donner de l'argent à tous ceux qui n'en avaient pas à l'île Maurice. Et ça faisait un certain nombre. Je crois qu'on approche là vraiment... je voudrais peut-être terminer par l'évocation d'une expérience qui a énormément compté aussi pour vous, dont vous avez parlé aussi dans plusieurs livres. C'est votre expérience chez les Indiens du Panama, les Emberas, où vous avez pendant plus ou moins 4 ans vécu avec eux. Il y a là encore quelque chose de fascinant. On a parlé de la mer, il y a aussi eu l'expérience du désert, ça on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais alors ici c'est un peu l'expérience de la forêt, quelque chose de très physique dont vous parlez, notamment dans Aïe aussi, ce petit livre sur les Indiens, et vous dites... vous dites ceci, oui, je ne sais pas comment cela est possible, mais c'est ainsi, je suis un Indien. J'avais besoin d'un choc physique, je voulais cesser d'être quelqu'un de purement cérébral. Il fallait parcourir de longues distances à pied, il fallait s'endurcir. Et vous êtes là parmi eux. D'ailleurs, vous avez dédié dans votre discours de Stockholm, votre prix Nobel à, je crois que c'est Elvira, une femme de là-bas qui était une conteuse, je crois, une danseuse, conteuse. Oui. Non, mais c'est toujours le déraisonnablement nostalgique. Je crois que ce passage par l'Afrique m'a donné un tel goût de la vérité, de la réalité de ce monde primordial qui est celui de la forêt, puisqu'en Afrique il y avait de la forêt, de celui des fleuves, non pas de la mer, mais enfin bon, la mer pour y aller. Et j'ai cherché tout le temps à le retrouver. Et j'ai cru, c'était, je crois, assez illusoire, j'ai cru l'avoir retrouvé dans le tapon du Darién, le bouchon du Darién, qui était le dernier obstacle à la route panaméricaine. La route s'arrête parce que la forêt commence, et ce n'est pas une petite forêt, c'est une forêt très dense, insalubre, avec beaucoup de marécages. Et donc... je suis allé là tout à fait par hasard parce que j'ai rencontré des personnes qui venaient de là, qui se promenaient dans un mauvais quartier de la ville de Panama, mais qui avaient un air de liberté totale. Ils avaient le visage peint, ils étaient habillés de haillons parce que normalement ils vivent pratiquement nus, mais le gouvernement panaméen les oblige à s'habiller quand ils viennent en ville. Donc ils mettent n'importe quoi. Ils étaient habillés comme des épouvantails et ils étaient... très, très impressionnant de sûreté d'eux et une espèce de joie de vivre et d'ironie que j'ai trouvé très attirant. Donc je leur ai parlé, ils m'ont dit, mais un d'eux parlait en espagnol, m'a dit, si tu veux voir comment on vit, viens, il suffit de prendre le bateau et viens. Donc j'ai pris le bateau et je suis arrivé là-bas et finalement j'ai acheté une pirogue, j'ai acheté un moteur hors bord et j'ai vécu 3 ans. En circulant sur les fleuves, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me sentais assez frappé par le mode de vie européen. Je ne retrouvais pas mes repères, je n'avais même plus vraiment confiance dans ce qu'il fallait écrire. Vous n'avez pas écrit à ce moment-là, vous n'écriviez pas à ce moment-là. Pardon ? Vous n'écriviez pas parce que vous disiez que... Non, parce que dans la forêt, c'est trop humide. Non, je n'écris pas de livres de voyage, donc dans la forêt, on ne peut pas écrire, je ne pouvais pas écrire un roman dans la forêt, c'était impossible, parce que la situation ne s'y prête pas, le papier se détrempe tout de suite, enfin, et donc on ne peut pas garder quoi que ce soit pendant très longtemps. Mais en revanche, j'ai beaucoup parlé aux gens, je les ai rencontrés, j'ai appris un peu leur langue. J'ai appris qu'ils avaient 2 langues, une langue littéraire, une langue pour tous les jours. Et donc un jour, oui, en effet, une femme est arrivée qui s'appelait Elvira. Et c'était la grande poétesse de la région. Elle allait de maison en maison. On lui donnait à boire et quand elle avait un peu bu, pas trop, mais un peu, et là, elle commençait à réciter des mythes
allait chanter en même temps. Elle chantait en rythmant, en frappant sa poitrine, parce qu'elle portait un collier d'argent assez épais. Donc elle frappait sa poitrine, elle se balançait, et en même temps elle racontait ses mythes. Et quelqu'un qui était avec moi et qui pouvait me servir d'interprète me traduisait au fur et à mesure les paroles des mythes. Et elle mimait en même temps. C'était du théâtre, c'était de la poésie. Et je me suis dit, bon, si ça existe ici, de façon orale, pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas aussi? Et je suis reparti sur une meilleure confiance. Et à partir de là, j'ai pu recommencer à écrire, mais ça a pris du temps. J'ai traversé cette période un peu de mutisme. Et je me souviens avoir écrit... Oui, procès-verbal, un peu. Vous étiez un peu dans l'état de Adam Polo. C'est-à-dire, j'avais écrit sur les nerfs, j'avais écrit quelque chose qui touchait beaucoup les nerfs, mais qui ne satisfaisait pas l'esprit. Et j'aurais pu acquérir cela, cette confiance, peut-être dans un temple bouddhiste ou au Tibet, je ne sais pas, ailleurs, mais il s'est fait que ça a été à cette occasion. Et c'était, je crois, quelque chose d'aussi important que ce que peut donner un temple. C'est quelque chose qui vous change complètement, qui vous transforme, qui vous retape, qui vous redonne de l'énergie. Et à partir de là, j'ai laissé ma pirogue, finalement. Mais vous n'êtes jamais devenu indien, finalement. Non, parce que c'est impossible. Voilà. C'est impossible. J'ai simplement eu l'impression, à un moment, littéralement, d'être sur le seuil qui sépare deux chambres. Et j'ai vu ce qui se passait dans l'autre chambre. J'ai eu ce privilège de voir ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'ai fait un pas en arrière et je suis retourné dans ma chambre à moi. Mais parce que ce sont des mondes qui ne sont pas assimilables l'un à l'autre, ils ne sont pas communicables, ils sont trop différents. Et malheureusement, d'après ce qu'on me dit, la situation a terriblement changé. Je suis allé en Colombie il y a peu de temps et j'ai rencontré des émigrants venant de Panama qui fuyaient la persécution causée par les narcotrafiquants. Ah oui. Et ils se sont réfugiés autour de la banlieue de Bogota, et ils vivent misérablement, et ils essayent de maintenir, pour leurs enfants, de maintenir des éléments de culture, mais ce sont des ruines. C'est le monde moderne, en très peu de temps, a détruit avec beaucoup plus d'efficacité que tout ce qui s'était passé à l'ère coloniale. Et ça, c'est la cause en est du trafic de drogue, c'est rien d'autre. Oui, qui ravage toute l'Amérique latine, le Mexique. Oui, oui, parce que c'est violent. Ouais, et qu'eux sont sur une frontière, un peu comme les gens de Ciudad Juárez à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ce sont les premières victimes des passeurs et des règlements de compte. Et ce sont des témoins, donc il faut les éliminer. Bon, c'est une triste histoire, mais d'un autre côté, j'ai eu ce sentiment d'avoir eu le privilège de percevoir ce qu'aurait pu être le monde s'il avait évolué différemment. Si au lieu de favoriser la technique, on avait favorisé les relations familiales, les relations culturelles, l'interculturel, si on avait accepté les autres, si ça s'était déroulé autrement. Oui. Alors, il y a peut-être un espoir que cela revienne un jour. Il ne faut pas être trop pessimiste non plus. Mais on vous a critiqué parfois, je trouve, sur cette vision que vous avez des Indiens. Et je trouve que quand on vous lit, ce n'est jamais une vision, je dirais, bucolique des Indiens. Vous voyez le monde aussi avec sa violence, parce qu'on vous a taxé de dire les bons Indiens et les mauvais Occidentaux. Je pense qu'en vous lisant, il ne s'agit pas du tout de ça, parce que le monde indien peut avoir ses propres, violences. C'est Henri Michaud qui voyage en Équateur, qui dit « un Indien, un homme, quoi ». Voilà. Donc ce sont des êtres humains avec toutes les qualités et tous les défauts. Mais certains types de sociétés, ces sociétés qui vivaient en harmonie avec leur monde, qui était le monde de la forêt, avaient développé un incroyable savoir pour la médecine par les plantes, pour la psychologie, pour les rapports de société, surtout pour arriver à faire fonctionner une société sans hiérarchie. Ça, c'était très remarquable.
Mais je ne dirais pas que la situation des femmes était privilégiée. Il y avait sûrement des progrès à faire. Mais c'est la même chose. C'est la même chose par exemple, en Nouvelle-Calédonie, Dewe Gorodé, qui était la grande poétesse des Kanaks, elle s'est adressée à son peuple et leur a dit « Vous ne mériterez pas l'indépendance tant que vous ne donnerez pas l'indépendance à vos femmes. Ouais. » Et elle a raison. Donc il n'y a pas de société parfaite. Je propose, Audrey, qu'on lise le dernier extrait. J'ai été un fantôme. Je dis cela parce que je ne peux pas décrire autrement ce qu'était ma vie dans cette ville. À marcher, glisser le long des murs, à croiser des êtres que je ne reverrai jamais, sans passé ni avenir, sans nom, sans but, sans souvenir. J'étais un corps, un visage, des yeux, des oreilles. La réalité me portait sur les vagues, au gré du courant, ici ou là. Une porte cochère, un supermarché, une cour intérieure d'immeuble, un passage, une église. Quand on est un fantôme, on échappe au temps qui passe, au temps qu'il fait. Pluie, soleil, nuages galopants, vent chaud, vent froid, pluie encore. Dans les rayons dansent les poussières, parfois les moucherons. Les bruits éclatent. Klaxons beuglants, ronflements, cris d'enfants dans un parc vide, tintements aigus, légers, assourdissants du tramway lancé à toute allure sur son aire de faux gazon. Flip-flap d'hélico à travers le ciel. Est-ce que je parle alors comme si j'avais un écouteur? J'ai perdu mon baladeur. Mais pour le retrouver, il suffit que je mette mon petit doigt dans le trou de mon oreille. J'entends Aretha Franklin, Bessie Smith, Fatoumata, Becca. J'entends Fela qui martèle ces mots « I am not a gentleman ». Les seuls mots qui signifient quelque chose. Les autres mots sont morts. Que deviennent les mots quand ils meurent? Est-ce qu'ils vivent au ciel parmi les nuages? Ou peut-être dans une lointaine galaxie du côté d'Andromède, sur une étoile sans nom qu'on ne verra jamais? Être fantôme, ça ne veut pas dire ne plus avoir Dieu, au contraire. Je vois tout, jusqu'au moindre détail. Chaque ride, chaque fissure, chaque marque sur la croûte du trottoir. Là, la traînée rouge sur le mur. Là, les bribes d'affiches, les mots arrachés, les syllabes qui flottent. Bleu. Onde. Pi. Les chiffres 3077. NX0T125IBTAC1212, les dates. Les scories du temps qui ne serviront plus à rien désormais. Et toutes ces rues, Paterne, Pasteur, Fontaine du But, Rumkorff, Valette, Ernestine, Antoine Carême, Écouf, Gribeauval, Belzins, Valmy, traçant des itinéraires insensés, comme si j'avais pu marcher partout. À emprunter ces passages, ces couloirs, ces boulevards, fût-ce une seule fois dans ma vie. Je marchais avec un plan à la main, un guide que j'avais acheté sur les quais. Au début, c'était pour faire touriste, pour faire croire que je visitais les musées, les monuments et les cafés célèbres. Ensuite, j'ai oublié la raison. J'énumérais les rues où j'irais pas. Je disais leur nom à voix haute. Assis sur un banc sous la pyramide, parce qu'il y faisait relativement frais et nous sommes des milliers, hommes, femmes, enfants, à arpenter l'espace, l'œil vide et les jambes en coton, je construisais des itinéraires compliqués. De Brochamps, traverser la rue des Moines, passer devant l'église Sainte-Marie, puis le Gendre,
jusqu'à Dulon, traverser le boulevard, la rue de Berne, de Constantinople, la rue de Rome, jusqu'à la gare Saint-Lazare. Là, attendre un peu et regarder, écouter, aviser. Quelque chose en moi qui brûlait. Bien sûr, le soleil, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas de soleil en Afrique. Le soir, après la journée, à marcher dans les rues et dans les parcs poussiéreux, à traverser les esplanades, à monter les volées d'escaliers, à attendre sur les bancs de pierre, je ressentais la brûlure sur mon visage, sur mes bras, sur mes jambes. Une sorte de fièvre qui venait d'ailleurs et entrait en moi par la peau. Quand j'allais me laver dans les toilettes des cafés, je voyais le reflet de mon visage noirci, mes yeux rougis. Je devenais peu à peu un monstre. Les femmes s'écartaient de moi, d'autres me regardaient à la dérobée. Une fois, j'ai surpris le regard d'une jeune femme dans le miroir, d'un seul coup. Ma colère a éclaté. Je l'ai attrapée par les épaules, je criais « Qu'est-ce que tu veux? Parle! Qu'est-ce que tu cherches ?» Elle s'est dégagée, elle est partie en courant. J'ai entendu sa voix glapir des insultes. Ma tête tournait et il me semblait entendre la voix de Chenaz. « Mais elle est folle, celle-là !» Dans la salle, le garçon m'a rendu mon sac à dos. « On ne veut pas de vous ici. » J'ai même pas eu à payer mon café. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ensuite, c'est devenu presque une habitude. Café, querelle, expulsion. Là encore, ça m'a donné confiance en moi. Quand les gens ont peur de vous, c'est qu'ils vous voient. Vous existez. Merci, c'était Audrey Ulster. Alors, je voudrais, Jean-Marie, vous faire un petit cadeau. On va replonger 50 ans en arrière encore. Ah, oui. Quelque chose dont vous m'aviez parlé, mais je crois que vous aviez perdu. Voilà, vous pouvez dire peut-être un petit commentaire. Oui, il s'agit de mon mémoire de maîtrise. que je n'ai plus, évidemment, depuis belle lurette, et consacré à Henri Michaud, un poète que j'ai beaucoup aimé, qui m'a initié à la poésie moderne, parce que Rimbaud, c'est de la poésie moderne, mais ce n'est pas vraiment contemporain. Michaud, c'est contemporain. On a l'impression que c'est quelqu'un de très proche, qu'on peut l'entendre, qu'il peut vous aider à chaque instant dans l'existence. Et je cite souvent d'ailleurs Michaud, je crois que ça m'est déjà arrivé là plusieurs fois ce soir. Mais alors il y a une autre histoire. Le thème de mémoire de fin d'étude, appelons ça comme ça, c'est la solitude. Hein, c'est... Oui, ce thème de la solitude. Mais il y a une autre... Michaud d'ailleurs m'a gentiment écrit après quand je lui ai envoyé un exemplaire de ce mémoire. Mais il y a une autre histoire là-dedans qui est cachée, c'est qu'il y a très peu de mots qui sont de moi. Parce que comme j'étais déjà un écrivain peu connu... Mais c'est enfin, 64, donc après le prix Renaudot, après Procès Verbal. Donc un peu connu, mais pas vraiment, et n'ayant pas vraiment sur la tête la couronne de laurier. Mon professeur, bon, je ne dirai pas le nom, qui était mon directeur de thèse, mais le nom doit être marqué d'ailleurs. Enfin... Elle m'a dit, il faut faire très attention, le Clésio. C'est un ouvrage universitaire que vous devez faire. Il ne s'agit pas d'écrire de la littérature. Ouais. Alors, je l'ai pris à la lettre et j'ai lu à peu près tout ce qu'on avait écrit sur Michaud. Je suis allé à la bibliothèque. À l'époque, ça demandait un peu de temps. Il n'y avait pas Internet. Il fallait vraiment se donner un peu de mal. Et j'ai fait un découpage de ces citations. Donc, quand on regarde ce mémoire, c'est plein de guillemets. Et quelquefois, il y a des guillemets dans les guillemets. Parce que
un critique parle de Michaud et cite un autre critique qui parle de Michaud. Et donc, le professeur, en lisant ça, me dit, mais il y a des guillemets partout, pourquoi? Alors j'essaie de lui expliquer, mais c'est qu'il y a beaucoup de citations là-dedans. En fait, c'est presque entièrement des citations. Oui. C'est un montage. Et c'était amusant. En même temps, vous l'avez rencontré, vous avez cherché à le rencontrer. Michaud, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Oui, je l'ai rencontré. J'ai beaucoup aimé ces rencontres, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. Et c'était un homme qui avait la réputation d'être très méfiant et de dire non. Oui. Et quand je suis allé le voir, non seulement il m'a dit oui, puisque je suis entré chez lui. Et après tout, mais il était assez accueillant, je crois. Il était assez accueillant. Mais en plus, pendant le bref moment où j'étais avec lui, on a sonné à la porte, il est allé voir. Oui. Et il ne s'est pas méfié, il a ouvert, c'était quelqu'un qui vendait des savonnettes. Oui, des colporteurs. Un colporteur. Oui, oui. Et il est revenu avec un carton de savonnettes. Oui. Il ne sait pas dire non. Voilà. C'est quelqu'un qui ne savait pas dire non. Mais alors, vous avez aussi écrit un petit livre qui vient de ressortir maintenant, que je vous recommande, Vers les icebergs, qui est consacré à Michaud, qui est magnifique. Ça commence comme ça. Ce qui étonne dans la poésie d'Henri Michaud, c'est cette force jointe à ce silence. Il n'y a sans doute aucun poète de ce monde occidental qui sache dire tant de choses en si peu de mots. Oui, c'est l'impression que j'ai eue dès que j'ai commencé à le lire, c'est qu'on ne pouvait pas changer un seul mot, ni une seule virgule de ce qu'il avait écrit, que c'était dit une fois pour toutes. Et ça, c'est très rare, cette impression-là. Mais enfin, vous le connaissez. Mais oui, mais j'ai retrouvé justement une lettre qui vous est adressée, vous l'avez sans doute perdue. Et je vous donnerai cette lettre dont j'ai la copie, parce qu'il faisait des papiers carbone, il avait un secrétaire qui tapait, et alors il disait dans cette lettre qui vous est adressée qu'on n'avait jamais rien écrit d'aussi beau sur lui que ce que vous aviez écrit, donc c'est pas mal quand même. Oui, ça m'a fait un très grand plaisir. Merci de me rappeler ces bons moments. Oui. Voilà, mais je vous remercie. On a été un peu plus long, on s'excuse. Et je dois faire une petite communication. Oui, je crois que Jean-Marie Le Clézio pourra dédicacer certains livres, mais je ne sais pas si c'est tout le monde, ça va peut-être être un peu compliqué, mais il faudra se discipliner. Et voilà, merci encore à Audrey, et merci à Jean-Marie encore d'avoir tenu après ce décalage horaire pendant tout cet entretien. C'était un moment très agréable, et nous avons parlé de choses et d'autres, donc nous avons parlé de maintenant et d'autrefois. Voilà. Donc c'est très bien. Merci. 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 C'était bien tout ce que vous avez dit aussi. J'ai beaucoup apprécié la trace de l'animal.